je pense à toi. Incroyable. Merci Dark. C'est gentil. Quand je pense à moi, ouais. Je suis patate. C'est très très gentil de t'abonner. Hop, c'est parti pour la suite. Bon, où est-ce qu'on en était ? Je sais plus du tout. En vrai. J'ai l'impression qu'on est dans un nouveau monde. C'est un monde où je ne peux pas changer d'univers. Je peux m'accrocher à ça ou pas ? Non, je ne peux pas m'accrocher à ça. Et Brett ! Salut gamin, t'as fini par te réveiller. Qu'est-ce que vous faites ? J'examine les lieux. On a fait beaucoup de détours, gamin. Ça va être un problème. Alors, on fait quoi ? On suit le courant, j'imagine. J'ai exploré plusieurs univers semblables à celui-ci et j'en ai trouvé un qui pourrait être utile pour avancer, mais... Ah, il a faim ! La vache, je meurs de faim. Ça te dirait de manger un bout avant de continuer ? D'accord. Super, c'est toi qui cuisine. Qu'est-ce qu'il y a ? Et où est-ce qu'ils ont trouvé à bouffer ? Bonne question, quoi. Pomme au bep, dit. Quoi ? Pas mauvais, petit. À ton âge, j'aurais été incapable de faire cuire ce poisson du poisson. Merci. Ma mère m'apprend de temps en temps. Elle n'a pas grand-chose à faire de ses journées. Autrement dit, c'est une chômeuse. Mince, c'est triste. Ouais, c'est si triste. Oh. Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Ta mère a l'air formidable. Everett. Qui est Ez? C'est un personnage de League of Legends, petit. Ah. Mais de quoi tu parles, gamin? Léo a mentionné quelque chose à propos de Ez. Ça m'avait l'air important. Écoute, je te trouve bien curieux tout d'un coup. Je suis désolé. C'est pas grave, t'en fais pas. Ez était mon ancien assistant. Ça, on l'avait compris, ça. Votre assistant ? Vous n'aviez pas dit qu'il avait disparu ? Eh ben... Il est cané, en fait, gamin. Hein ? Sérieux ? Mais comment ? Je préfère ne pas en parler, si tu veux bien. Désolé. Ça va, petit, c'est rien. Et pourquoi est-ce que vous parliez de lui ? Cette recherche était la sienne. L'île dont je t'ai parlé, Ez l'étudiait depuis longtemps. Ah bon ? Pourquoi ? Inutile d'entrer dans les détails maintenant, mais ça comptait beaucoup pour lui. Du coup, ça compte beaucoup pour moi aussi. Je ne peux pas rester les bras croisés après la mort de mon assistant, tu comprends ? Ah ouais ? Mais Léo a raison. Le voyage est dangereux, je suis irresponsable. Bah... moi ça m'inquiète pas du tout. Pas les couilles. Bon, quoi ? Bah je veux dire, c'est marrant de voyager avec vous, vous voyez ? Et si c'est ce qui compte vraiment pour vous, bah... je veux vous aider. Ah, bah ça alors, qu'est-ce que tu peux être têtu, toi ? Un vrai con. Merci, gamin. Murphy fut pour en finir. Et vrai, tu finissais de mâcher. Tu pourras venir avec moi, gamin. Après tout, tu es libre de me suivre si tu ne le... Si... Tu es libre de me suivre si tu le souhaites. Youhou ! Merci, Everett. Pas de problème, gamin. Mais il faut qu'on soit plus prudent, d'accord ? On va éviter le danger autant qu'on pourra.
Ok. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il est possible que tu n'aimes pas l'univers que j'ai découvert. Quoi ? Comment ça ? Ah, tu verras bien. Ça pue la merde, gamin. Et si on se mettait en route ? D'accord. Ok, continue d'avancer, je t'attendrai plus loin. Ah bah là, il s'est tapé devant nous, sans gêne, quoi. Allez. Moi, je peux toujours pas utiliser, je peux toujours pas monter là. Ma foi, ben on va voir qu'est-ce que nous réserve ce périple. J'ai hâte de voir ce qui peut être dangereux et comment il a pu mourir l'autre, parce que... Ah, parce que jusqu'à présent, voilà quoi. C'est bon, t'es prêt? Prêt à quoi? À aller dans un autre univers, bien sûr. Allez, retiens ton souffle jusqu'à ce que je te dise. Quoi? Cours vite! D'accord, je cours, comment on fait? Mais c'était quoi ce bordel? Je t'avais dit que tu n'aimerais pas. C'est cet état, Orionis, gamin. Il ne faut pas respirer, cet air est trop longtemps. Cet air trop longtemps, il pourrait être fatal. Bazooka, bien sûr. Allez, pourquoi vous avez choisi cet univers plutôt qu'un autre? C'est le premier que j'ai découvert. Ah! Bon, je vais avancer pendant ce temps. Je suis la rivière et on se retrouve bientôt, d'accord? Pas de problème. Let's go. Ah oui, du coup j'ai accès à l'univers. Ah, attends. Ah oui, je sais, allô. Putain. Ah ouais, celui-là, il est encore plus chaud que d'habitude. Genre, il faut pas respirer du tout, quoi. Matthew! Oh, je suis tellement désolé, je t'ai pris pour mon fils, ça fait un moment que je le cherche. Ne t'inquiète pas, on joue simplement à cache-cache. Mais il est très doué pour se cacher, ce petit merdeux. Comment vous parlez de votre fils, madame? Du coup, faut que je le retrouve, ton fils, c'est ça? Bon, allez, hop. Vraiment, c'est pas loin. Hein. Quand il disait pas longtemps, c'est pas longtemps. Hein. Elle a des yeux à la plante, elle. Bon, bye. Ça faut speed un peu, hein, quand même. Là, je peux pas monter, je pense. Non, je peux pas. Ok. Aussi, il y a la musique dans l'autre monde, en vrai. In fact, là, je peux marcher dessus. Je peux pas. Mais attends, mais si je peux pas marcher dessus, à quoi ça me sert Mais en vrai, qu'est-ce que ça fait si je reste dans ce monde-là et que je suis fuck? Est-ce que je vais avoir un achievement? Eh oui! Succès déverrouillé, oxygène non inclus. Du coup. Je comprends pas comment. Ah, je peux monter là. Ok. Ok. Allez hop, on se dépêche. C'est parti. Mon kiki. Hop là. Putain, encore un univers trop stylé, en vrai. C'est quand même plutôt stylé cette histoire. Allez. C'était moins une. Voilà, de toute façon, je peux pas monter. Elle est là, tranquille. Ah, qu'est-ce
c'est Everett. Oh, il est en bas, pépouze. Alors, bonhomme, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Putain, il m'a appelé bonhomme, d'habitude, il m'appelle gamin. Comment vous êtes arrivé là? Ah! Tu veux que je te livre la solution sur un plateau? Allez, débrouille-toi tout seul, tu vas y arriver. Super. Mouais, je pose. Hein. Ah, il y a une clé en bas. Une clé, ça pourrait être utile quand même. Bon, là, il y a un pont. Tranquille. Ne me tue pas. Je crois que Miss Léo veut qu'on travaille ensemble sur cette affaire. C'est parti. Écoute, Lid. Je suis sur la télé et c'est l'occasion pour moi de réparer mes erreurs, stupide. Je dois faire ça tout seul. Mais je sais. Je veux seulement aider. Écoute, c'est mieux que tu n'essaies pas, tu vois. Je vais pas arrêter de les croiser, quoi. Je vais d'abord aller par là pour voir s'il y a un truc. Ok, c'est là qu'il y a la clé. C'est là que je vais avoir besoin de la clé du coup. Oh, merde, je me rappelle pas s'il y a une touche pour sprinter. J'ai l'impression qu'il y a une touche pour sprinter en tout cas. Ah, bonne blague, mon pote. Une blague? Ce sera sérieux, vélin. Rends-toi ou... Hey, gamin, tu as réussi finalement. Ne m'interromps pas. C'est tout le temps lui qui se fait défoncer, putain. Mais pourquoi? Allons, ce n'est pas possible d'accueillir mon assistant avec retenue. Fiche-nous la paix, grosse tête. Qu'est-ce que tu viens de dire? Raté. Waouh! Doucement, mon garçon, tu pourrais blesser quelqu'un avec ce machin. Alors, gamin, ça va? Ils ont créé. Ah, très bien. Je vais m'occuper de lui, ok? Pendant ce temps-là, distrait la fille, elle pourrait devenir dangereuse. On l'a pas vu. Essaie de m'attraper, Andouille. Non, arrête-y, t'en as pas! Ah, Lise. Ah, salut, hein? Bonjour. Ah! Bah pourquoi? Elle peut vraiment devenir dangereuse? Bah... Après, elle a quand même des armes, hein. Je veux dire, quand t'as une arme, t'es dangereux. C'est un fait, quoi. Hop. On a récupéré la clé, on va pouvoir aller ouvrir la porte. Let's go! Bon là, pour l'instant, ça va, c'était relativement facile. Je me rappelle que le niveau d'avant était quand même assez chiant. Bien, mais chiant. Je peux pas monter vraiment là? Non. Ok. Ah, mais elle me fait chier cette eau là. Ok, là je peux monter. Ouais, là je peux monter. Oh non, il y a encore des zones où je peux pas changer du niveau. C'était moins une. On va monter là. Qu'est-ce que je peux faire si je vais là? Ah, je suis obligé d'aller là en fait. Hop. Ah ouais, chiant. À l'aide, au secours, je vais mourir. Je suis pas du tout mort comme je pensais que j'allais mourir. Voilà. Et si je monte là, ah là, je peux changer d'univers. Ouais, tiens, c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qui s'est passé là?
I bugged, mesdames et messieurs. Bonjour. Voilà, là, je peux changer d'univers, tranquille. Et là, hop, là, à mon avis, faut... je peux pas pousser ça. Ah, si. Voilà. Puis là, je sais pas ce que faire. Il va falloir que je remonte. C'est chaud, ça brûle. Ok. Pourquoi ça me sert de pousser... Merde. Pourquoi ça me sert de pousser tout ça par terre? C'est chaud de gérer en plus le... gérer la respiration en plus, c'est assez tendu quoi. Hop, là je peux descendre. Ah bah oui. Ah bah oui, là je peux descendre tranquille ou... Bah en fait, de toute façon, je suis obligé hein, de faire ça. Ah, c'est dur. Vite, sors de là. Sors de là. Il est pas sorti. Est-ce que de là-dessus... Mais non. Ah ouais, je peux même pas monter. Oh, je peux encore mourir. C'est dur. J'ai l'impression que je me suis soft-locké. Enfin, pas soft-locké, mais je me suis locké. Ouais, je peux encore mourir. Comment est-ce qu'il faut faire pour traverser ça là? Allez! C'est tout ce qu'il fallait faire. Du coup, je peux pas monter là-haut? Ah, on monte pas. Ok. He's ok. Allez, viens. Doucement, doucement. N'est qu'un enfant, on ne risque pas grand chose. Coucou! Il. Ah! Ouais, je vais pas crier à cette fois non plus. Je crois qu'elle s'effraie. Je ne sais pas quoi faire. Je me demande comment Kiv là va être en fait. Bah, moi aussi. Hein. Ploup, ploup. Ah! Par ici, crétin! Mais il est revenu par ici. Je n'aurai que ça. Tu verras. Mathieu Bada! Comment est-ce que t'arrives à courir comme ça à ton âge, mon sang? C'est un vieux papy. Ah. Là, je peux monter. Ah non, à mon avis, je pourrais pas. Ah si, je peux m'accrocher là. Ah ouais, ok, là je peux m'accrocher. Ça a l'air compliqué ça. Mais non. C'est encore une belle énigme. On est bien. Est-ce que faudrait que... Merde. Bah non, mais là tu meurs pas, gamin. Là tu meurs pas en fait. Est-ce que je peux aller là-haut? Oui, mais du coup, qu'est-ce que je peux faire là-haut? C'est bien ça la question. Super loin. Ah, je... ah, oh, j'ai retrouvé le gamin. Et bonjour de là. Et sors de là, je me cache de ma mère. Elle me cherche depuis plus de 2 heures et elle...
Et elle n'est pas prête de me trouver. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps pour battre le record de mon père. Il est parti il y a 30 ans. Mais attends, mais du coup, je dois te ramener à ta daronne, là. Surtout, ne lui dis pas que tu m'as vu, hein. Ben, attends. Et là, qu'est-ce que tu me dis? Surtout, ne lui dis pas que tu m'as vu. Alors, j'aimerais bien, quand même. Mais j'ai une... Ben, on va y aller, hein. Voilà. Ma décision est prise. On va ramener le petit Timmy à sa daronne. Le petit Timmy est attendu chez sa daronne. Allô? Il faut absolument que je me rappelle où elle est, parce qu'en fait je me rappelle plus. Comment je suis monté là, moi, déjà dans un premier temps? Comme ça, il suffisait de demander en fait. Allô, c'est chiant. Alors là, il y a la porte, donc je crois qu'elle était en haut, si je me souviens bien. Je me rappelle plus trop. Ah, si elle était là-haut, c'est un peu la merde, hein. Ah, je crois qu'elle était là-haut. Ah, mince. Parce que là, c'est là où j'ai retrouvé Everett, je crois. Me semble. Non, si. Je peux pas. Mais comment je fais pour retourner du coup chez sa mère là? Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment est-ce que je peux retourner là-haut moi? Je crois que je suis revenu en arrière. Pour rien. C'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas un moyen. Ou sinon je l'ai vu plus loin. Je me rappelle plus. Je l'ai... Ah, c'est peut-être là-haut, non? Non. Ah, je me rappelle plus du tout. C'était peut-être tout à droite là. Ça me paraît bizarre que ce soit ici, ça me paraissait vraiment plus grand que ça. Je sais pas ce qui se passe à cet endroit précis, mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive déjà de rester bloqué un peu dans les airs comme ça là. Là comme ça exactement. Je crois que j'ai trouvé un petit bug. Je vais me le taper à tous les coups maintenant, alors que j'ai réussi à le passer avant, mais c'est quoi ça? Bah on va monter par là, hein. Ça paraît être le plus safe. Hop. Alors une chose est sûre, c'était pas là-haut. C'était peut-être à droite, mais non, c'était pas là. Non, descends. Là. Ouais, du coup définitivement c'était pas là. Je peux sauter là? Ouais. Ah, c'est stressant quand même cette petite jauge de respiration là. Oh non. Allez. Ah, ils ont vraiment timé le truc, vraiment comme des salopios quoi.
Du coup, je ne sais pas où est la mère de Timmy. Jimmy, je sais plus comment il s'appelle. Lenny. Kravitz. J'ai la rêve. Ah non, ah bah non. Hop là, du coup on arrive là. Très bien. En fait, avant de faire ça, il faudrait peut-être que je regarde où est-ce que je suis censé aller. Ah, je dois aller tout là-haut. Hein. Ok. Ça a pas l'air simple. Ah, j'ai nouveau. Il y a des bugs partout avec ces machins là. Ça, c'est dommage. Est-ce qu'il suffirait pas de faire ça du coup? Non, ça c'est pas bon. Ah non, ouf. J'ai cru que j'y étais pas. Ah bah y'a un truc qui me sert littéralement à rien là. Ah ouais. Good ça. C'est moins compliqué que ce que je pensais du coup. Non. Non. Chiant. L'eau, c'est chiant. Ah, c'est déjà chaud avec les timings et en plus ils nous foutent de l'eau quoi. Ah, saute avant. Attends, mon avis, je dois sauter là. Voilà. Pas simple, hein. Bon, ça va. C'est pas si dur que ça non plus, j'ai connu pire. Oh ouais, je suis balancé comme ça ici, là, moi. Ça va en vrai. Pas ultra dur par contre, j'ai l'impression que je peux encore aller au-dessus. Là. Du coup ça me perturbe. Oh non. Ok. On va se satisfaire du nécessaire, comme dirait la chanson. C'est fou qu'elle soit fermée même dans le... Ah non. Ah oui, c'est vrai que les portes elles sont pas reliées. Oui, tout est en ordre. Tu es sûr? Tu n'as pas l'air d'aller bien. Hey Miss Léo, c'est bon. Je suis juste un peu fatigué, mais ça va aller. Oui, ne t'en fais pas, souris. Comme là, comment va Nash? Eh ben... Sophie! Ah, il est pas loin. Ah, tu me facilites la tâche, mon pote. Tu crois ça? Eh ben... Je fais un squat. Alors, prends ça. D'accord. Tu es tellement ennuyeux, grosse tête. Ça n'est pas une grosse tête. À l'aide. Ah, c'est mieux. Tu vas réapparaître ici, du coup. Il va bien. Eh. Hey. Liz, est-ce que tout va bien? C'est tellement une flippée. Tellement une flippée de la vie, la petite Lise, là. J'aurais essayé.
Je suis bloqué. C'est chaud. C'est pas simple tout ça, non? Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien à faire avec ça. Ça passe à travers là ? Non, c'est bon. Ah non ! Je peux pousser ça là-dedans ? Ah ouais, mais. Ça me sert de pousser ça là. Chaud, chaud, chaud. Ah, je peux descendre en bas là. De cet univers dedans là. Pas du tout en fait. Simplement que me laisse tomber en fait là, non? Pas du tout. Il faut que j'arrive là-dedans à partir de l'autre monde. Ah, mais c'est ça qui va m'aider en fait. Plus rapide de se laisser mourir en fait. Non, je peux rien faire en fait. Dur en partant d'ici, hein. Je vais me laisser tomber dans le trou là. Et là je peux remonter. Et ouais. Hop là. Et du coup là. Pas du tout en fait. Comment je fais pour monter là? Ah, je viens de comprendre. Oui, je viens de comprendre.
comprendre tout à fait. Alors attends, parce qu'il faut que je te pose un peu par là, voilà. En fait, il va falloir que je saute là-dessus à partir de l'autre côté. Hop. Tac, là on va remonter tout en haut. Non, j'ai dit tout en haut, vite. On a encore eu de la chance. Voilà, et là il va falloir que... Bah oui, c'était bien ça. Voilà. Et là on a la clé. Putain, ça a été... je pense une des clés les plus compliquées qu'on ait eu à choper, quoi. Ah, mais du coup, j'ai à gauche, là. Ah ouais, c'est bien sûr. Non, je suis encore bloqué, mais allô. Voilà, est-ce que j'ai déjà vu la porte? Non, je sais pas. J'ai eu un succès déverrouillé si la noyade ne suffisait pas. J'ai pas la ref. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis pas remonté là, mais je sais pas. Lane to me, baby. Je viens à partir de ce monde-là, en fait. Bah non. Ah. Mais je me demande quand même si j'ai pas vu la clé quelque part, non? La porte. Je l'avais pas vu quelque part, tout à l'heure. Il me semble que si, mais je sais plus. Non. Chiant. Un peu chiant. Ouais. Je suis pas assez haut si je fais ça en vrai. Pourquoi je fais pas ça Je crois un peu. Pourquoi je fais pas exactement ce que je viens de faire, mais dans ce monde-là? Ah, par contre, faut que je pense à m'accrocher. Mais en vrai, c'est ça. Voilà. Parfait. Il était donc si facile que ça? Un pêcheur. Hey, bonjour, jeune homme. Tu m'as l'air passionné par la pêche, je me trompe. Aimerais-tu que je te donne quelques astuces pour exceller dans cet art? Eh ben... Très bien, voici ce que je peux t'apprendre, hein. Emporte toujours ta canne à pêche avec toi. Je sais que c'est dur d'y penser à chaque fois, mais crois-moi, il vaut mieux ne pas se rendre compte alors qu'on est en train de lutter avec un poisson que l'on n'a pas ce qu'il faut pour l'attraper. Ça m'est déjà arrivé. Et tu peux me croire, ce n'est pas joli à voir. Deux ? Si tu entends un hurlement en ferrant un poisson, alors relâche-le. Bien entendu, il y a des grandes chances pour que ce soit une personne et il vaut mieux éviter les ennuis juridiques. Trois ?
Le château de paille, c'est surfait. C'est surfait, en fait. Surfait. N'est-ce pas, Luffy? Je sais, ça paraît incroyable, mais mes compétences de pêche se sont accrues exponentiellement quand je me suis mis à porter un haut de forme pour pêcher. Et là, t'as pas de chapeau, en fait. Impressionnant, n'est-ce pas? 4. Ne perds pas ton haut de forme. Voici mon conseil. 5. Et pour finir, amuse-toi! C'est tout ce qui compte. Tant que tu ne fais pas ça pour gagner ta vie, bien entendu. Si c'est le cas, fais en sorte d'attraper du poisson pour ne pas crever de faim, en fait, jeune homme. Maintenant, file pêcher comme un champion, mon garçon. Oh, désolé, cette canne, c'est la mienne. Ne le prends pas mal, petit. D'accord. J'ai pas vu une oie. Elle est là, l'oie. Mais quoi? Non, décollé. Coup de klaxon. Succès déverrouillé. Une spécialité de Thanksgiving. Le secret est d'ajouter une tranche supplémentaire de pain trempé dans la sauce au milieu. C'est dégueulasse. Tu veux toujours pas me donner ta canne à pêche? Non, bah ok. Du coup, j'avais bien vu... J'avais bien vu le truc de la clé plus loin. Je suis venu là. Pas pour rien, mais... Je me sens un peu flou, ouais. Mais merde! Bordel de crue ta flotte! Crue de... Qu'est-ce que Luc? Mais bordel de chiasse de pute, c'est mort. Vas-y, de l'autre côté, j'y arrivais trop facilement. En fait, pourquoi de ce côté-là? En fait, ça peut pas. Oh non, ça l'a voulu, mais j'ai oublié de m'accrocher, en fait. C'est dommage. C'est dommage que je sois une grosse merde, en fait. Voilà. Parfait, ça. Bon, du coup, mission retourner à la porte. On ne sait plus où elle est, en fait. On sait plus où elle est, la porte. Hein. Hmm. Elle doit être par là, non? Quelque part par ici. Je pense qu'elle doit être quelque part là. C'est retourné un petit peu trop loin là. Le problème quand on ne sait plus où sont les portes, c'est que... Mais attends, mais je l'ai déjà ouverte celle-là? J'aurais vu une autre clé, une autre porte depuis tout à l'heure. Ça me dit rien. C'est bizarre. C'est bizarre cette histoire. Hein. Ça me dit rien du tout. Par là peut-être. Ah, peut-être. Bah si, en fait. Mais forcément, c'était là, en fait. En tout cas, pour le moment, il est vraiment incroyable. J'ai... Ouais, un peu plus de 5 heures de jeu dessus. Et ça envoie du pâté, hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi le let's play, bah, soit n'hésitez pas à suivre le let's play sur ma chaîne en regardant les replays, soit en le faisant, en fait, parce qu'il est vraiment incroyable, le jeu. Oh, j'ai encore bugué.
Il est chiant ce bug là. Voilà. Non, vraiment, il est incroyable. Petite pépite de jeu indé comme on les aime là. Mais pourquoi je ne suis pas capable? Mais pourquoi? Bonjour. Ah, je t'avais dit qu'elle avait un pistolet en fait. C'était sûr. Hein? Tu vas pas me tirer dessus? Non, je ne peux pas. Comment je pourrais tirer sur un enfant? T'en fais pas, je suis bien content que tu ne le fasses pas. Je sais, mais je devrais en être capable, c'est mon boulot en fait quand même. Alors pourquoi tu continues à le faire? Quoi? Ah oui, tu devrais faire quelque chose que tu aimes. Que tu aimes, pas vrai? Pas ça. J'aime aider, mais je ne suis pas très doué. Oh là là. Eh ben, Everett ne croit pas ça. Et honnêtement, moi non plus, en fait. Ah bon? Il m'a dit de faire attention à toi, et en général, il sait de quoi il parle. Vous... Vous avez l'air de bien vous entendre. Hey! Ouais, grave, on s'entend tellement bien. Et vous deux, comment ça se passe avec le type aux cheveux bleus? Nash? Ben, on est amis. Du moins, on l'était. Amis? Avec lui? C'est quelqu'un de gentil en réalité. Il est seulement un peu stressé depuis qu'on a commencé à travailler avec Miss Léo. Il se met trop de pression, tu vois. Il essaie de bien faire, comme moi. Bah, on peut dire qu'il y a... Il soit vraiment arrivé. Il fait de son mieux, je t'assure. J'adorerais être aussi persévérante, mais je n'arrive à rien. Allez, courage, je suis sûr que tu peux y arriver. Pourquoi est-ce que tu... soutiens l'ennemi, en fait? Pourquoi est-ce que tu es si gentil avec moi? On est censé être ennemis. C'est exactement ce que je viens de dire, en fait, meuf. T'es débile. Je sais pas. Mais je vois aucune raison de ne pas l'être. Oui, je comprends. Un blanc gênant. Bon, et maintenant? Mais je sais pas. J'imagine que je devrais te faire prisonnier. Ah, je n'ai rien préparé. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu trouveras. Le gamin me dépite. Pourquoi est-ce qu'il m'aide? Eh bien, je vais préparer un piège à toute épreuve, tu verras. J'ai hâte de voir ça. Merci, sincèrement. Alors comment faut-il que je t'appelle? Moi? Je m'appelle... Gamin! Elle disait que c'était bizarre qu'on allait trouver à voir son nom. Plus tard, gamin. Tout va bien, gamin? Oui, elle est adorable. Trop in love, en fait. Bon. Il faut qu'on soit prudent. On ne sait pas ce qu'elle est en train de mijoter. Je sais, il faut qu'on soit prêt à tout. Hein? Qu'est-ce qui arrive à Nash? La tête de Beluga? Je me suis occupé de lui. Boss, je suis vraiment désolé. Je vous ai encore déçu. Ce jeu me fatigue. Vraiment. Vraiment, je serais prêt à le tuer. Pas de haine, hein, de chagrin.
Je vous implore de me laisser une dernière chance, mon dernier espoir de rattraper mes erreurs. Je t'en supplie, boss. Oh non. Ces transitions, putain. Il sera distrait pendant un bon moment, ne t'en fais pas. Super. Allez, j'ai vu une cascade près d'ici, on peut continuer par là. En plus de poison, d'accord. Et plus de poison, d'accord. On est fini avec ça. Le dernier arrivé prépare le dîner. Nanana. Bah voyons. Désolé, claqué. Une grenouille. De quel côté faut que j'aille? Là, c'est chaud, je meurs. Ça paraissait pourtant évident. Oh, elle m'a mis un cœur. Je ressaute à l'eau pour qu'il soit amoureux de moi, quoi. Pas tout compris. Il y a forcément un truc à faire. Il y a forcément un truc à faire, mais je sais pas quoi. Evret ? Chut, silence. Tu vois, ces pièges sont déjà prêts. Ouais. Soyons prudents et essayons de passer inaperçus tant qu'elle est occupée, compris ? Yes, compris. Yes, we got it. Il a vraiment fait ça? J'hallucine. Il est incroyable ce jeu. Arrête! Il m'énerve. Oh! J'ai réussi? Ouais, j'ai perdu ma voix. J'ai réussi! Je les ai capturés tous les deux. Je suis désolé. Félicitations. Mais Miss Léo, oui, c'est Lise. Bon sang, j'aurais dû le voir venir. Bon, ok, gamin, je crois que c'est la fin. Sérieux? Vous avez pas de plan? Aucun. On est fichu. Dans la muide, la merde, on va se faire défoncer. À moins que... peut-être... Tu as déjà entendu, entendu l'expression Deus Ex Machina? De quoi? Deus... que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben... Arrêtez tous! Nash? Non. Oh, je ne te laisserai pas. Nash, de quoi tu parles? C'est moi qui suis censé les capturer, Liz. Je m'en occupe. Et pourquoi? Laisse-moi faire, ok? Oh, bon sang. Hé, hey, le morveux, tu peux pas laisser les gens faire leur boulot sans t'en mêler pour une fois. Toi, tu la fermes. Tu vas voir, vieux Snock. Je
Je ne la fermerai pas, bon sang. C'est très amusant jusqu'à maintenant, mais j'en ai marre de toi. Je ne supporte pas les gens qui déversent leurs problèmes sur les autres. Que quoi? Tu m'as très bien entendu, abruti. Tu essayes tant bien que mal de te faire passer pour un héros, mais tu sèmes la zizanie partout, tu ne vois pas? Et toi? Tu n'es qu'un bon à rien. La seule chose que tu saches faire, c'est de créer des ennuis. Mensonge. Tu croyais quoi? Que le fait de m'attraper te vaudra le respect de tes compagnons? Ouvre les yeux, tu ne fais que passer pour un débile. C'est pas vrai. Tu as écarté la seule personne qui t'apprécie vraiment à cause de ton désir maladif de te mettre en avant. C'est pas vrai, peut-être? Non, je suis désolé. Si tu disparaissais là tout de suite, tout le monde s'en foutrait complètement. À quoi ça sert de réussir quelque chose si tout le monde s'en fiche, hein? Tais-toi. C'est ici que tout se termine, imbécile. Il est temps que tu arrêtes d'ennuyer tout le monde à cause de ton insécurité. Ferme-la! Parce que tu sais que tu n'es rien d'autre qu'une insupportable grosse tête. Ce n'est pas une grosse tête! Nash! Pas de bol. Ah. Adieu, ma dernière veste. Besoin d'aide? Hein? Bah, je crois pas. Nickel. Petit ours brun. Pas rien faire avec ces pièges là? Non. Everett? Le nombre de fois où il dit Everett avec un point d'interrogation, c'est abusé. On ne croyait pas que vous avez poussé le bouchon un peu trop loin? Ah, absolument pas. Ce petit morvieux a bien mérité une bonne engueulade. Il est beaucoup trop stylé, Everett, franchement. De recevoir un email qui dit Dark Age vous manque. Non, Arcage. J'ai pas joué à Arcage depuis genre 10 ans. Donc j'ai envie de dire que non. Ma foi, ça ne me manque pas. J'ai eu chaud encore. Je crois que vous êtes allé trop loin, quand même. T'es sérieux, là? Désolé, gamin, mais je ne supporte pas les gens comme ça. Les gens comment?
Ceux qui sont incapables de régler leurs problèmes, tu vois. C'est pas grave d'avoir des doutes, mais c'est pas une raison pour saouler les autres avec ça. Chacun doit régler ses propres problèmes. Je vois. Fallait que j'essaye. De toute façon, je peux toujours pas changer d'univers, donc... Il avait l'air malade. Il l'est, probablement. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais il n'avait pas l'air capable de m'entendre. Vous croyez qu'il va bien? Je ne sais pas. Je m'en fiche pas mal, en vrai. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ces salopeurs? J'ai du mal à le cerner un peu quand même, le vrai. Soit il est gentil, soit il est méchant. C'est un peu dur à comprendre. Succès déverrouillé, empoisonnement. Écoute, gamin, on a réussi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver un bateau et on pourra quitter cet endroit. Génial! Vous croyez qu'on y arrivera sans encombre? Sachant qu'il y a une affiche avec un bateau là quand même. Je pense que vous allez en trouver un dans pas longtemps. Comment ça? Bien sûr que oui. Ah bon sang, bon sang. Non, il est mouru. C'était de ma faute. Mais non, Liz. Tu ne pouvais rien y faire. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Laisse-moi gérer ça, d'accord? Ok. Salut Léo, comment ça va? Everett, tu m'as manqué, tu sais. Alors, où est passée la tête de Beluga? Aïe. Ah, tu es encore plus sérieuse que d'habitude, tout va bien chez toi? Bon, tu commences à me rendre mal à l'aise. Alors, Léo, tu ne veux pas qu'on discute avant que je m'en aille? Attends, ne me dis pas qu'il... Oh non! Vous deux... Vous venez avec moi. Chapitre 6. Trouver sa place. Il est mort. Il est carrément mort en fait. Mais attends, mais... Wait. Non, mais non. Bien sûr que si. Non. Tu vas devoir payer pour tes fautes, Everett. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'était de ta faute. Non, bon sang.
Tu as recommencé, exactement comme avec Aise. Tais-toi, bon sang! Tu es un danger pour tout le monde, vieux con égoïste. Tais-toi! Il est fou ce vieux schnock là. Mêle-toi de tes oignons. Une visite pour Hugh Everett. J'espère que c'est un avocat. Everett. Ah, bonjour, gamin. Léo dit qu'ils vont vous garder là-dedans. De force, si nécessaire. C'est pas vrai, dites. Oh, eh bien... Si, pendant sans doute vachement très longtemps, quand même. Mais pourquoi? Pourquoi c'est les regards, ce que vous faites? Ce sont les règles, gamin. Bien sûr que c'est les regards. Personne ne peut se promener impunément avec les voyageurs comme ça, tu le sais. Et alors? Ils ne savent pas à quel point vos recherches sont importantes? Bah, tu n'en sais rien toi-même, en fait. Bien sûr que si. Non, je t'assure. Tu ne connais rien d'Aise ni de mes recherches. Et alors? Je vais simplement vous aider. Eh bien, je n'ai pas besoin d'aide, plus maintenant. Ça fait assez longtemps que ça dure. Mais vrai, tu... Ça ne te regarde pas, gamin. Tout ça n'a rien à voir avec toi. Gamin! Et merde. Eh ouais, faut pas être un vieux con. Bon, c'est bon, ça va mieux. Je devrais peut-être m'en aller. Non. On va y retourner. Hé, c'est toi? Hé, hey, bonjour! Qu'est-ce que tu fais ici? Eh, je voulais juste voir comment vous alliez tous les deux et... j'ai pas pu. Mais t'inquiète pas, d'accord? Je vais bien. Ok. T'as pas l'air. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je crois qu'Everett n'a pas envie de me voir pour le moment. Oh, c'est triste. Vous faisiez une bonne équipe tous les deux, tu sais. Tu trouves? Oui, c'était marrant de vous pourchasser tous les deux, même si... Enfin, tu vois. C'est trop bizarre de se dire que c'est ici que tout finit, tu ne trouves pas? Hein? Tu sais, normalement, c'est le moment que vous auriez choisi pour mettre le bazar et vous échapper à nouveau. Ah. Ouais, je suppose qu'on partirait dans un autre univers pour poursuivre notre voyage, comme d'habitude. Ouais. Ouais. Mais sans votre voyageur, c'est impossible. C'est dommage qu'on l'ait caché dans le coffre-fort. Quoi? Rien, rien. Bon, je vais devoir y aller. Léo, ma boss, ne sait pas que je suis là. Elle doit s'inquiéter. Ok. Salut, gamin. Salut. Elle m'appelle gamin aussi. Bon, on va essayer de... Ah. Qu'est-ce qu'elle a dit à propos du voyageur? On va essayer d'aller voir Everett vite fait. Une seconde, peut-être que... Non, je peux pas. Mais peut-être que si. Mais bien sûr que je peux! Comment ai-je pu ne pas me rendre compte plus tôt?
Je dois avertir Everett au plus vite. Vas-y, parti. Je devrais aller parler à Everett avant toute autre chose. Bah ouais, mais je... Alors comment te dire? Je pensais que c'était par là, en fait. On va aller parler à Everett avant toute chose. Caméra qui se fixe et tout. Everett ! Ah. Oh, c'est toi. Écoute, gamin, à propos de ce qui est arrivé. Peu importe, on s'en va. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que vous saviez qu'ils ont planqué votre voyageur dans le coffre-fort ? Eh ben non, mais je suppose que c'est logique du coup. Pourquoi ? Je vais le récupérer en fait ! Quoi ? Mais de quoi tu parles, gamin ? Sérieux ? Je vais récupérer votre voyageur et on pourra partir d'ici. Qu'est-ce que vous en dites ? Gamin, je le prends pas mal, mais tu vois, il faut certaines qualités pour voler quelque chose, et toi, eh ben... Tu te souviens quand tu devais juste appuyer sur un bouton et que tu ne l'as pas fait ? Hé ! Ça ne m'est arrivé qu'une fois, ok ? Puis, c'est pas moi qui suis derrière les barreaux. Tu marques un point. Après tout, je peux me déplacer librement ici, pas vrai ? Ça ne devrait pas être trop dur, du coup. Je suppose que non. Allez, vrai, dernière chance. Partons d'ici et finissons-en avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a à perdre maintenant ? Ah ! Tu me ressembles un peu plus chaque jour, gamin. Alors ça, du coup... T'as appuyé un peu l'hypothèse que j'étais en train de me faire dans la tête que Everett, en fait... Bah c'est juste nous, mais quand on est plus vieux. Franchement, je le vois venir, mais gros comme une maison. Allons-y, je ne peux refuser une offre pareille. Cool ! Mais me rapporter mon voyageur ne suffira pas. Je ne crois pas. Il nous faut autre chose. Un bon vieux chaos. Un chaos ? Ah, ne t'en fais pas, ça je m'en charge. Entre-temps, regarde au dernier étage, le coffre-fort devrait s'y trouver, si je ne me trompe pas. Ok, bah je ne vous décevrai pas, Everett, je vous le promets. N'en doute pas, mon ami. Allez, au boulot. Nanda ? Moi, il m'a dit mon ami. Il a dit que j'étais son ami, en fait. Trop cool en fait. Hein. On n'a pas été voir qu'est-ce qu'il y avait par ici. Peut-être un truc. Pas du tout, il y a juste un mur. Voilà. Les autres portes, je peux pas les ouvrir de toute façon. Ou encore quoi ? Ah non, là on croise Léo. Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce que tu vas, gamin ? Tu n'étais pas avec Everett ? Eh bien... Faut que j'aille aux toilettes ! D'accord. Les toilettes sont au-dessus, après les escaliers. Mais, merci ! Le mec en panique totale. Lise. Elle se doute de rien, ouais. Elle m'en cul, elle se doute de rien, ouais. Bon, le coffre-fort est là-haut, donc, au dernier étage. Allez, c'est parti, let's go. Allons-y, les amis. Ah, je peux pas... Ah, si, je peux passer. Hein. Et des fois, c'est dur de savoir quand quelque chose te permet de passer ou pas, quoi. Ah, tu
tu vois, genre là, je croyais qu'il fallait monter sur les valises, alors que pas du tout, en fait. Ah. Ah. Je crois qu'il faut que je monte là-haut, moi. Ça va, ça la laisse activer. J'ai eu un peu peur de devoir remonter. Donc, on a chopé la carte qui était dans un endroit somme toute normal, quand même. Hop, il y a quoi à droite là? Il y a un ascenseur. Je peux choisir. Non. Ok, je peux choisir l'étage. Ah ça, je peux le déverrouiller. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a trop de... What the fuck? Alors là, je suis tout en bas. Oh my god. Oh my god. Il y a des gardes en plus à peu près partout. Désolé mon garçon, je ne peux pas te laisser aller plus loin. C'est une zone confidentielle, ok? Oh, ça sent la bonne énigme sympathique, ça, là. Hein. Ok, bah écoute, on va... Je vais essayer de rentrer, là, pour moi. Je peux pas rentrer. Ah, mais c'est juste des portes, en fait, qui me font continuer. D'accord. Hmm. Du coup, on va aller au deuxième étage. Hop, là. Ah non, je suis carrément au sixième étage en fait, genre je suis... Ah... D'accord... Ah, du coup je suis pas allé tout à gauche ou pas... Ah. Mais oh... Voilà. Est-ce que je vais pouvoir ouvrir la porte au-dessus avec la clé que j'ai? Je pense pas en vrai. Je pense pas. On va quand même regarder. Je suis en train d'essayer à part un peu de temps. Ah si? Ah ouais! Mais attends, mais du coup. Là, il y a un truc. On va retourner à l'étage d'en dessous. Quelque chose là-haut. Ah, il y a un truc là-haut. Un truc qui m'active celui-là de droite, là. Ouah, mais je suis un vrai jumper. Incroyable! Ah, il me faut une caisse là. J'ai rien dit, c'est bon. Hmm. Le niveau, il a pas l'air simple du tout. Ah, celui-là, il continue de monter, ok. On va juste aller voir par là, qu'est-ce qu'il y a. Il y a un autre ascenseur, là. Ok. Un autre garde. Ah, lui, s'en fout que je passe devant. Chers employés, nous vous rappelons que l'accès au coffre-fort est limité pour toutes les pour tout le monde sans exception, à moins que vous n'ayez une carte d'accès qui est à votre disposition à l'est du quatrième étage. Ok. Tu peux pas te parler, toi? Non. Il faut que j'aille au quatrième étage à l'est. Bon. On verra ça après. D'abord, je vais vite faire ce qu'il faut faire là. Hop. Thank you.
plaît, c'est parti. Alors là, il faut que je mette le bouton ça là-dessus. Du coup, ça va m'ouvrir la porte là-haut. Je ne sais absolument pas à quoi elle sert. Hop. Ah, alors, ça m'a emmené au troisième étage. Logique. Il y a un truc à gauche là. Ça j'active. Ok. Là, il y a une échelle. Je vais pas pouvoir monter dessus parce qu'il me faut la caisse. Ah. Ah, il y a trop de trucs à faire là. Mais d'abord, on va aller voir là-haut là. Non. Ah merde, c'était sûr qu'elle allait casser. Mais ce qui est bien avec cette usine, c'est qu'en fait, ils sont là pour nous aider à mettre des caisses absolument partout. Boing, boing. Mais non ! En plus, faut y aller au timing près, quoi. Ça va, là, elle s'est pas cassée. J'aurais ragé hein, si elle s'était cassée, là. Et allez, monte! Hop. Voilà, donc là on a la grosse. Je pense que c'est celle-là qu'il me faut en vrai. Ça fait à peu près la taille. Donc la petite aussi, non? Faut pas la petite. Si, il va me falloir la petite là, c'est obligé. Parce qu'on est un flemmard. Hop. Donc là, il me faut la petite pour ouvrir ici. Non ? Pourquoi je peux pas ouvrir ici, là ? Peut-être pas la clé qu'il me faut. Attends, faut que je regarde de nouveau, là. Alors, du coup... Ah. Il me faut la clé rouge du deuxième étage pour ouvrir ici. Voilà, bah ok. Cette porte là, elle m'emmène où? Elle me ramène en haut. Non, mais je vais aller tout à droite en fait. Il y a encore un truc là. Bien, les gardes, ils sont quand même. Ils font leur taf quoi. Salut, je ne fais que passer. Ah non. Comment est-ce que j'arrive à cette porte-là, du coup? Pour arriver à cette porte-là, faut que j'aille au deuxième étage. Bah, ma foi, on va y aller. Hein. Il y a beaucoup de choses au deuxième étage qui m'intéressent, là. Parce qu'à gauche, il y a une porte qui m'intéresse, du coup. Salut, salut. Bonjour. Hop, on ouvre la porte. Du coup, normalement, cette porte-là, elle devrait m'emmener à la porte que je voulais, qui va m'emmener au cinquième étage. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, du coup, ça, je peux l'activer. Hop. Voilà. Et du coup, là, je vais pouvoir monter au cinquième étage. Sauf qu'au cinquième étage, je n'ai rien à faire. Parce qu'il faut... je disais. Donc là je monte au cinquième étage.
Sauf qu'à 5ème étage, il y a des portes roses, hein. Est-ce que ça vaudra pas le coup? Ah mais au 5ème étage, il y a aussi la porte... Ouais. 5ème étage, il y a la clé verte. Je crois qu'elle m'intéresse, la clé verte. C'est quoi ça? Ah. Oh, t'abuses, gamin. Comment est-ce que je descends là? Ah. Ah, ça va en activer un, non? Ah ouais, mais comment? Ça, je peux pas l'ouvrir. Ah, je sens que je vais être bloqué. Ouais, il me faut la clé rose, hein. Et la clé rose, elle est au 4ème étage. Sauf que du coup, je dois y aller du 3ème étage. Là, du coup, je suis où? Ah, je suis à l'ascenseur. De toute façon, je pourrais pas continuer plus loin. Il me faut la clé rose un peu plus loin. Ouais, comme prévu, il me faut la clé rose. Donc, je vais aller voir au 4ème étage, du coup. Quoique, en vrai, le 3ème étage... Non, je vais aller voir au 4ème pour voir. Là, du coup, là... Là, ouais, normalement, je peux aller à gauche, là. J'ai pas l'impression qu'il y a une clé qui me bloque. Ah, mais comment... C'est pas une clé qui me bloque, c'est un truc... Il faut que j'arrive là-bas. Ah, du coup, il faut que j'aille à partir du 3ème étage. Ok. Faut que je rentre, en fait, là-bas à gauche. Sauf que je peux pas y aller, en fait. Retourner au 2ème étage. Ouais, on va retourner là. Y'a rien qui me bloque là, si? Non, bah non, je peux aller. Bah ouais, mais en fait... Ah! Ah! Ça, c'était pas dur, ça. Là, il y a une caisse que je vais pouvoir mettre dessus. Wait a minute, en fait. Ah oui, ok. Malin ce jeu quand même. Clé rouge. Du coup, avec la clé rouge, je peux aller au 3ème étage et ouvrir la porte à gauche, en fait. Là, là, là. Je vais juste aux toilettes, hein. Je me suis juste paumé. On va demander à Léo, elle me connaît. Hein. Hop, on a ouvert. Et du coup, là, on peut aller ici. Je peux même aller tout en haut. Ça m'emmenait où déjà, tout en haut?
Ah. On va aller chercher la clé violette d'abord. On va voir. J'aime beaucoup les énigmes comme ça, là. C'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Ça, je peux l'activer, ça ? Oui. Il va falloir... Je sais pas à quoi sert l'échelle, à quoi sert l'échelle à gauche, là. Hmm. J'active ça là. Ah non? Ah si, je monte tout en haut encore. Non, ah, je suis tombé en fait. Quoi? Mais attends, mais je sais plus de quel côté faut aller. Moi. Ah. La caisse elle est encore en haut. Ouais, ça c'est bon. Petit message d'un dessin magnifique que m'a envoyé ma copine. Là ça a ouvert le premier. Ah oui, mais ok, du coup c'est bon. Là ça va ouvrir le deuxième là quand je vais mettre la caisse dessus là. Hop. Tac. C'est bon là. C'est ça que servait l'échelle de bois. Là, si je fais ça. Alors, si je fais ça, en fait, c'est... ça fait forcément celui-là. Hein. En fait, c'est ça que je dois enlever là. Là, je suis tombé de 3 cm, j'ai cassé ma caisse. Retire. Faut pas aller encore à droite là. Y'a quoi par là? Salut, salut, bonjour. C'est pas moi, j'ai rien fait. Là, je suis à côté de l'ascenseur. De toute façon, je vais être bloqué par les clés vertes que je n'ai pas. Ah, c'est tout. C'était bidon en fait. Voilà. Tac. Et là, du coup, on a la clé rose ou violette, je sais pas trop. À vous tout de suite. Ok. Alors là, du coup, on a la clé. Ah non! Tu me diras, au moins, je suis en bas. Hein. Non, ça, par contre, c'est pas cool. Ça m'a tellement bloqué.
Oh là là, j'ai pas du tout bloqué ce passage, désolé les gars. Donc là j'ai la clé violette. Attends, mais j'ai celle qu'il faut pour aller tout en haut là, non? Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Est-ce que c'est par là les toilettes du coup? Oui, ça m'aurait étonné aussi. Par contre, là, du coup, j'ai celle qu'il faut pour l'étage 5. Pour récupérer la verte. Avec la quatrième, je... Ouais, ok. Là, je peux aller tout à gauche. Ça m'ouvre deux portes. Ouais, on va aller... J'ouvre les deux portes tout à gauche. Voilà. Ensuite, là, on va pouvoir aller récupérer la clé verte ou nette, du coup. Hop. Que j'utilise la première caisse pour descendre dessus. Alors pas comme ça en fait du coup. Voilà, comme ça. Hop. Ça, ça fait quoi déjà? Ça l'active juste. Donc si on, de toute façon il faut que je l'ai activé. Raté le couche. Ça m'ouvre le premier. Ça m'ouvre le deuxième. Est-ce que je peux récupérer une clé, enfin une caisse de ce côté-là? Hein, oh, la pression là! Non, tu peux pas récupérer une caisse là. Ah.
Oh non, je suis débile. Pas plus facile comme ça. On va attendre qu'elle soit tout en bas. J'ai l'impression que c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Hein. Pour être honnête. Non mais je... J'ai encore fait la même chose, je suis vraiment un putain d'abruti. Ok, je suis con. Je suis un petit peu idiot. En fait, il faut que je sois le deuxième. J'ai eu chaud là. On a eu très très chaud là. Hop. Voilà. Et du coup, on a la clé verte. La clé verte qui, je le rappelle, va nous permettre d'ouvrir le quatrième étage pour choper la clé finale. Qui est du coup la clé du coffre-fort. Donc là il faut que j'aille à droite et pour aller à droite il faut que je parte de là-bas. J'ai l'impression que pour aller au coffre-fort il faut que je parte de l'étage 5 aussi. C'est bon à noter. C'était l'autre. Celle-là. Ça c'est celle qui va m'emmener là-bas, ok. Voilà, étage 4. Je vois des mécanismes qui sont morts. Ça, je peux l'ouvrir, ça. Et ouais, ma. Et ouais, ma gueule, je peux l'ouvrir, ça. Ah, monter là-bas aussi. D'abord monter et ouvrir une lock, ça, là. D'abord unlock ça pour voir qu'est-ce que je peux faire, en fait, d'ici, là. J'ai l'impression que je peux faire grand chose à part prendre l'ascenseur. Du coup, on va revenir et on va faire l'énigme qui n'a pas l'air simple, mais en même temps, ce serait triste qu'elle soit simple vu que c'est la dernière en fait. Alors là, on va déjà voir qu'est-ce que ça fait si j'appuie là-haut. J'étais sûr en fait que ça ouvrirait le truc à droite là. Donc là, il faut que je trouve un moyen de ramener une caisse ici. Bien sûr, on va falloir faire tout le tour avec la caisse. Ah, ça a l'air chiant. Ah bah non. Bah non, ok. C'est un de ces endroits où je ne peux pas descendre avec une caisse. Oui. Ok. Du coup, on a la rêve de ce qu'il faut faire. Est-ce que je vais arriver à temps? Oui. Non. Ah, bah forcément, il saute, ça casse la caisse. Oh non, elle est loin en plus. Mais non, mais oh, je savais que ça allait recasser.
Non. Faites-moi désactiver moi ça, je vous en supplie quoi. Mais non, mais je peux pas. Oh, c'est chiant. En fait, j'ai juste pas eu de chance avec le timing. J'ai atterri sur l'autre qui m'a ramené en haut, qui m'a complètement fait casser ma caisse en fait, ouais. Ça recommence. Pas de bol sur les timings. Ah, je crois qu'il y a un rebord avant où je peux m'arrêter. J'ai l'impression. Ah non, même pas. Putain, il n'y a pas de rebord où je peux m'arrêter. C'est chaud quand même. Yes! Bon, du coup, maintenant. Ça. Ok. Putain, on peut l'ouvrir pour aller monter là-haut. Ensuite, on peut. Ensuite, on va pouvoir aller chercher la deuxième caisse là, qui est là. Hop. Voilà. Pour plus de sécurité, on va fermer ce truc là, sinon j'ai peur de casser ma caisse encore. Hein. Là, je vais pouvoir monter. Donc là, je vais pouvoir emmener ma caisse là, ouais. Du coup, en fait, l'autre, je peux juste la péter. Elle sert à rien, en fait, l'autre. Maintenant, elle sert plus à rien. Elle servait à... J'ai eu peur. Elle servait à quelque chose, mais maintenant elle sert plus à rien, j'ai l'impression. Voilà, et du coup on a récupéré la dernière clé. Hop. C'est bien, passe-partout. Hop. Voilà. Maintenant, je sais plus où aller. Je crois qu'il faut que... Ah, je crois qu'il faut que je retourne au cinquième étage. Et du cinquième étage, je vais pouvoir aller au coffre-fort, normalement. Normalement, c'est ça. Je suis où? Descends. Bonjour, j'ai pas du tout récupéré toutes les clés qu'il y avait à tous les étages. En fait, c'est celle-là que je vais utiliser. Hop, cette porte-là, c'est pas les toilettes. Dommage. Voilà. Attends, depuis quand il y a une clé noire là? Comment on a pas parlé de ça, de la clé noire là? J'ai au sixième étage. Attends. Plus rapide. Par là, mais non en fait. Le fait d'ouvrir la porte là-bas, ça va enlever les rayons. C'est la seule porte que j'ai pas ouverte hein, de toute façon. Ah non, c'est ça qui va enlever les rayons. Cela m'emmène où? Mais attends. Mais quoi? Merde, je peux pas revenir en arrière. Waouh! Ah, c'était compliqué, hein. Ah non, ok, tu disais waouh pour ça. Très bien, ouais. Ils ont vraiment bien protégé le voyageur d'Everett. Mais je suis arrivé jusqu'ici. Ah bah non, arrête pas. Mais c'est sûr qu'il y a un moyen de désarmer leur système de sécurité. Genre ce gros bouton rouge là, par exemple. Effectivement. Cool! Ouais, mais c'est encore plus cool que ce... C'est encore plus cool de près. Je me demande...
Est-ce que je pourrais l'utiliser? Il vaudrait mieux de laisser Everett s'en occuper. Il y a des mondes. Traumatisme inutile débloqué. Traumatisme infantile, pardon, débloqué. Bouge plus. Bon. Bon, moi j'aurais essayé, pas vrai? Je peux pas. Je peux pas faire ça. Eh, hey, y a pas de problème. Hein. Enfin. Je dois le faire pour Léo. Pour Nash. Mais je ne peux pas, mais c'est pas sans eux. Je veux juste aider, comme Nash l'aurait fait, mais je ne sais pas si... Je ne sais pas si ça en vaut la peine ou pas, tu vois. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? J'ai perdu Nash, mon sang! À cause de notre obsession pour cette fichue poursuite. C'est pas juste, hein. C'est pas correct. Cette folie doit s'arrêter. Vous devriez être libre de continuer votre voyage. Hein. C'est ça que je veux. Et c'est ce que je vais faire. Hein. Merci de m'avoir écouté, gamin. Je vais t'aider à sortir d'ici. Ah, y'a pas de quoi. Hein, hein? Mais vraiment? Oui, hein. Je vais certainement avoir des problèmes, mais je suis déterminé. Je t'attendrai dehors, ok? Mais fais attention. On doit être extrêmement discret à partir de maintenant. D'accord, ok, très bien. Qu'il en soit ainsi. Ouais. Il y a tout qui est en feu, mais what the fuck? Mais que s'est-il passé ici? Je sais pas. Miss Liz, tous les prisonniers ont été libérés. Que quoi? Mais comment? Everett. Ah, ok. C'est le chaos total, on a pas besoin de ton... on a besoin de ton aide. Merci, Jeff. J'y vais de suite, hein. Apparemment, tu n'as plus besoin de mon aide, en fait. Tu en as déjà fait beaucoup, merci. Pas de problème, hein. Retrouve Everett et partez d'ici, d'accord. Hein. C'est comme si c'était fait. Cool. Hein. Bonne chance, hein, gamin. Hein. Je pense qu'on va retrouver Everett. Et si on change pas de chapitre, je vais faire une petite pause. Non, même si on change de chapitre, en fait, je vais faire une petite pause. Petite pause AFK bio, boire, je vais dégourdir un peu les jambes. Faire ça 5 minutes et après je reviens. Ah, c'est par là les escaliers. Il est quand même bien ce jeu. Toujours plus long les escaliers en fait. Après tu me diras, il y a 6 étages à descendre. À l'échelle, c'est du coup. Hey gamin! Par ici! Point, point. Everett, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je t'ai dit qu'il nous fallait un peu de chaos, tu te souviens? Mais comment vous êtes échappé? Bah, c'est simple comme bonjour. Hey, je peux aller aux toilettes? Bien sûr. Et toi, tu as récupéré mon voyageur? Tada! Qu'est-ce que vous en dites? Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, on y va. Saisis cette chance pendant que personne ne nous regarde.
suivre. Il devrait y avoir une sortie par là. Tous les gardes doivent être occupés, on devrait donc pouvoir sortir d'ici sans trop de problèmes. Mais c'est le bureau de Léo en fait. Ah mince, Everett. Doucement gamin. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi pour l'instant. Hein? Vraiment? Bon, ok. Je pourrais t'attraper plus tard. Pour l'instant, je dois régler le désordre que ton idiot de pote a causé ici. Eh ben, merci, j'imagine. Allez, file, vite. Par là. Gamin, juste une chose. Hein? Pourquoi est-ce que tu es Everett? Ben... Parce que c'est mon pote, en fait. Je le crois vraiment. Bien sûr! C'est mon ami et ce voyage lui tient vraiment à cœur. Et si ça lui tient à cœur, c'est la même chose pour moi. Ah, je comprends. Pas d'imprudence, d'accord? Tu rentres dans des eaux dangereuses maintenant. Ah, bon bah merci. Mais je sais pas, je sais prendre soin de moi en fait. Ah, j'en doute pas. Allez, vas-y maintenant. Ton ami doit t'attendre. Ouais. Bonne chance, gamin. On se reverra. Merci. Bon sang, c'est vraiment les mêmes. Encore une fois, je l'ai dit. Je l'ai dit. Il s'agit de la même personne, je l'annonce. Succès déverrouillé, trouver sa place. Bon, on va faire une petite pause. Petit AFK bio et je reviens dans 5 minutes. Du coup, on va dire 23h15. Allez. 22h15, pardon. Pas 23h. Je vais vous mettre un petit peu de musique pour patienter.
Hey, nous revoilà. Comme prévu, 22h15, on est de retour. Du coup, on va continuer la suite de What Lies in the Multiverse. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va faire un truc. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On a Everett qui a fini en prison pendant tout un acte, là. Le mec à lunettes est mort suite à une persécution totale d'Everett. Donc, il s'en veut pas du tout. Donc, c'est une bonne chose. Hein. Et puis voilà, donc là, on a réussi, du coup, à le faire s'évader un petit peu. Un petit peu beaucoup, avec l'aide de Liz. Elle nous a pas aidé beaucoup, malheureusement. Elle aurait pu nous aider un peu plus, mais on n'avait pas besoin de son aide parce qu'Everett a foutu le Dawa. A totalement foutu le Dawa, en fait. Et voilà, donc là, du coup, on a réussi à le faire s'évader. On a dû résoudre des énigmes pas mal. Et du coup, voilà. Donc, il nous a appelé notre ami, on était un peu contents. On peut baisser la luminosité, voilà. Il a dit qu'on était son ami, on était content. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer, du coup, l'aventure. Est-ce que vous êtes prêts? Même si vous ne l'êtes pas, c'est parti. Alors. Je fais juste un tout petit truc et je suis à vous. Voilà. Gamin! C'est parti, j'ai élaboré un plan d'évasion. On devrait faire vite avant que Léo... C'est bon, elle nous laisse partir pour l'instant. Vraiment? Bon sang, mais quel ennui! Le mec a besoin d'adrénaline quand même, hein. Un petit besoin d'adrénaline de son côté, là. On va pas se le cacher, quand même. Hop, je regarde juste un tout petit truc et je suis à vous. Ok. Voilà. Alors, on va fermer ça. Alors, désolé les gars, ce sera pour la prochaine fois. Oh, stylé les chara-design. Hey, attends, vous, le capitaine. Je me demande si vous auriez un navire où vous nous emmenez. Oh, la Vierge de la Mer ne fait pas de discrimination à l'égard des fripons qui s'en prennent à son clubbeur compagnon. Il a dit oui. Allons-y. Chapitre 7. Chapitre 7. D'accord, explique-toi. Alors. Allez, Léo, tu n'es pas trop dur avec elle. Je veux qu'elle s'explique pourquoi elle a fait ça, c'est tout. J'ai fait ce que je pensais être bien. C'est-à-dire. Je crois qu'on devrait arrêter cette persécution une bonne fois pour toutes. Wow! De mieux en mieux! Je l'avais oublié, celui-là. Et pourquoi tu penses ça?
Ils ne sont pas méchants. Hein. Je ne comprends pas pourquoi on les pourchasse. Hein. Parce qu'ils sont dangereux. Everett est un criminel. Plus ils se servent des voyageurs, plus ils provoquent plus d'instabilité dans le multivers. Hein. De combien de preuves as-tu besoin ? Est-ce que c'est vraiment à cause de ça ? De quoi tu parles ? J'ai l'impression que c'est pas seulement à cause de ça. Je pense qu'on est totalement obsédé par cette capture et qu'on ne réfléchit pas clairement. Oh ! Hein ? Vraiment ? Et qu'est-ce qui te fait penser ça ? Nachin. Pardon. Nash est mort à cause de notre obsession de le capturer, vous comprenez pas ? Petite. Aïe. Je suis désolé. C'est juste... Non, c'est moi qui suis désolé, Elise. Tu devrais l'écouter, Léo. Peut-être que le mieux qu'on puisse faire, c'est de les laisser partir. Ne me dites pas que vous n'êtes pas curieux de savoir ce qui se passe sur cette île, quand même. Oh, fermez-la, crétin. Ferme-la, crétin. Ok, faites ce que vous voulez. Quoi ? Je ne changerai pas d'avis aussi facilement. Si vous voulez aider Everett, faites comme bon vous semble. Mais je vais continuer de les pourchasser, même si je suis seul. Miss Léo ! Et arrêtez de m'appeler Miss, ok ? Je ne suis pas si vieille, bon sang. Oh, n'en parle pas. Allez, avancez. Vous n'aiderez pas ce vieux schnock si je le capture en premier. Ah, ça c'est Maléo. C'est Maléo tout craché, ça. Mais attendez, mais j'ai une super idée, en fait. Allez, vieille branche, 35 kilos de farine, ça va pas se trouver tout seul. Ah, je vois de quoi il s'agit cette fois. Sacré, je sais plus comment il s'appelle. Bon travail, petit. Eh ben. D'accord. Merci pour tout, capitaine. Merci. Ah, que la chance soit avec vous, crapule. On va en retraite, les gars. Allez, c'est parti, continuez. Qu'est-ce que... On devait monter par l'ascenseur et se trouver à l'est. Entendu, merci. C'est quoi tout ça, Everett ? Oh, je ne t'ai pas tout dit, je suppose. Pas grand-chose, en fait, du coup. Ah, pas grave, alors. Allez, suis-moi. On n'a toujours pas changé d'univers, mais on a fini sur une île qui est somme toute
agréable à visiter. Comme je te l'ai déjà dit, gamin, sur Hail Island, il se passe des choses étranges depuis un bon moment. On dit que quiconque visite cet endroit aura des hallucinations sur ses vies antérieures et autres inepties de ce genre. Et quelle en est la raison ? Les interférences, bien sûr. Les populations locales rencontrent des choses qui viennent d'autres mondes, mais elles ne le savent pas. Elles passent juste du temps à faire des recherches dans la zone sans pouvoir comprendre ce qu'elles voient réellement. Cependant, elles ont fait une découverte intéressante. Quelle découverte ? Tu vois, au sommet de la plus grande colline de cette île, il y a un centre de recherche incroyablement important. Et d'après les recherches de Hez, il pourrait y avoir une interférence cachée à l'intérieur. Une interférence très différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent. Plus grande. Beaucoup plus grande. Ah ouais ? Et c'est ce que vous cherchez là-dedans ? Tu comprends vite, gamin. Allez, il faut qu'on attrape l'ascenseur pour y parvenir. Et c'est parti, attrapons l'ascenseur. Hein. Après, du coup, on a bientôt fini cette session. On est sur une petite session de 2h15. On va continuer un petit peu et on va arrêter un petit peu pour ce jeu. On va partir un petit peu sur Valorant, faire une petite game de Valorant alors qu'on est bien claqué, histoire de perdre. Pourquoi on s'arrête là ? L'ascenseur est en panne. Eh ben, gamin, je crois qu'on y est. C'était bien sympa cette petite aventure. On se reverra peut-être, qui sait. Je dirai à Léo. Everett. Ah, allez, c'était plus drôle quand tu te laissais prendre à mes blagues. Vous avez un plan ? Bien sûr que oui, bon sang. Tu me prends pour un qui ? Tu me prends pour qui, gamin ? Ah, c'est vrai. Hein. Viens, prends ma main. Allons dans un coin sombre, gamin. Oh, c'est vrai, en plus. Ce monde... Mais qu'est-ce que... Mais c'était quoi, ça ? Ah ! Quoi, tu n'as pas aimé ? Cet univers est Oméga Orionis, et sa gravité est à l'inverse de la nôtre, tu verras que c'est très utile. Et c'est juste de ne pas te laisser entraîner vers le vide, compris ? Ok. Succès déverrouillé, ma planète a besoin de moi. C'est stylé quand même. Ok, il y a moyen de faire des dingues un peu. Ouais, c'est quand même plutôt stylé. Un univers somme toute relativement stylé comme d'hab en fait avec ce jeu. Tout le temps il y a des trucs stylés. Ils ont quand même une sacrée imagination, hein. Parce que non seulement l'histoire est pépite, enfin elle est bien, hein. Franchement elle est bien, les personnages sont vraiment tous différents, et en plus de ça, bah les mondes ils sont incroyables, ils auraient pu juste se contenter de nous donner un ou deux mondes, mais à chaque chapitre c'est un nouveau monde différent et vraiment très stylé. C'est là ? Ouais, zone 42.
Ce sont les installations de sécurité maximale où ils, ont concentré toutes les recherches du secteur. Comment on fait pour entrer ? Ah, bah en frappant à la porte en fait, bien sûr. Mais ils risquent d'avoir une sécurité militaire. On va devoir calculer chacun de nos mouvements si on veut rester à l'intérieur. Moi je parle et toi tu me suis, tout simplement, compris ? Ok, ouais. Bien, entrons. Et j'aime. Hugues Everett, chercheur du secteur 4, je demande. Bonjour messieurs, bienvenue dans la zone 42 qui abrite les recherches et les plus réputées d'Ail Island. Est-ce la première fois que vous visitez cet endroit ? Hein ? Eh bien... Je suis désolé, notre guichet est en visite pour l'instant. Mais vous pouvez prendre une brochure au comptoir pour vous familiariser avec les installations pendant votre visite. Merci. N'oubliez pas de passer à la boutique de souvenirs avant de partir. J'espère que vous avez apprécié votre séjour et merci d'avoir visité la zone 42. Bonne journée. Vous aussi. Tu l'as déjà entendu? Allez. D'accord. On va en faire, hein. Eh ben, c'était facile. Et maintenant ? Voyons voir. J'imagine qu'on n'a rien à perdre à les suivre. Et ici, mes anges ? Se trouvent les recherches les plus importantes de la zone 42. Les scientifiques l'appellent par son nom de code, mais les locaux l'appellent... La fin du monde. Ah ! Mais quoi ? Nous ne pouvons pas révéler aucun détail sur ce qu'il y a à l'intérieur. Mais derrière cette porte, il y a des secrets si importants... Ils sont protégés par un système de sécurité complexe, mais oui, Jamy, qui consiste en des autorisations multiples le long des installations de la zone. Bien sûr, les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer, mais dans la boutique de souvenirs, vous trouverez des poupées en peluche de la fin du monde, et vous pourrez les acheter à la fin de la visite. Maintenant, suivez-moi. J'ai l'impression que ça donne un achievement de les suivre. Quoique, j'ai quand même envie de... Je devrais parler à Everett. Ouais, mais moi je voulais mes peluches de la fête du monde, en fait. Laissez-moi avoir mes peluches. C'est celui-là, sans aucun doute. Comment on fait pour entrer ?
Bah, il va falloir qu'on arrive à désactiver les mesures de sécurité. D'après le guide, il faudra le faire plusieurs endroits dans la zone. On pourrait aller jeter un œil à cette carte là-bas. Ok. Bah. Elle était avant la carte, j'ai pas vu. Ah oui. Mais qu'est-ce que... Attendez, mais quoi? Eh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est terminé, Everett. Oh, mais c'est une blague, c'est pas possible. Everett, qu'est-ce qui se passe? Rien, gamin. Miss Ennui est venue à la rescousse. Ferme-la, vieux schnock. Finissons-en... Ah non, ah pardon. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Ah, tu es sérieuse? Pourquoi ça marcherait cette fois? Allez, bouge. Je vais désactiver la... Ah! Tu disais? Lâche-moi, espèce de cinglé! Rêve, espèce d'idiot, je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas abandonné. Va te faire voir! Ah, fils de... Everett, tout va bien? Tout va bien, gamin. Il devrait se rendre aussi, Everett. Bien sûr, laisse-moi le lui dire. Gamin! Tu te souviens de ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? Bah oui, je pense. Trouve un moyen de désactiver le système de sécurité de la porte, d'accord? Je sais que tu en es capable. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Tout ira bien pour moi, fais-moi confiance. Ok! On est des terres, hein, oui, Shiro. On est des terres. Ben, on va avoir le temps de discuter un peu. Que dirais-tu qu'on s'assoie et... Ah! Elle est violente, Léo. Ok. Désactiver le système de sécurité. Compris. Bon. Ça devrait pas être trop difficile. Et du coup, c'est là qu'on va arrêter notre petit périple. Je sais plus. Ouais, quitter. Hop là. Voilà. Donc là, on va arrêter notre petit périple de What Lies in the Multiverse, qui est, je le répète encore une fois, un jeu incroyable.